à tous, bienvenue dans la nuit noire de Liberty City pour l'épisode 10 de GTA 4, j'espère que vous allez bien. Un taxi est garé bizarrement devant chez nous avec personne à l'intérieur et notre voiture de derrière, là, l'espèce de Mustang, je crois que c'était une Mustang, attends, on va aller voir. Ouais, c'était la Mustang, a disparu puisqu'en fait on l'a fait exploser avant d'aller sauvegarder la partie la dernière fois. Du coup, problème, on va décrocher à Roman. He's got some work, and we are in need of money. Meet him at Brucey's Executive Autos on Mohannad in East Hook. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. Ok, alors est-ce qu'on a débloqué son pote Brucey? On va aller voir son pote Brucey. Ouh, il y a un DR aussi là-bas qui est apparu, c'est bizarre. Alors il n'y a pas eu de vidéo ce week-end sur la chaîne, fallait que je vous le dise. Ça fait plusieurs week-ends. Ok, alors on ira le voir après. Ça fait plusieurs fois qu'il n'y a pas de vidéo, enfin plusieurs fois non, mais en ce moment le week-end j'ai un peu plus de mal à faire des vidéos. Puisque c'est un peu le seul moment que je peux bosser, puisque pour vous raconter la petite histoire, le temps qu'on est sur le trajet, il est où ce mec? Il est en bas, ok. Pour vous raconter la petite histoire, je suis en troisième année de fac et à la fin de la troisième année de fac, on doit réaliser un stage, j'ai envie de passer en mode bourrin en fait, comme ça. Oh merde. Wouhou. Bah elle a rien la voiture, regardez, elle a rien du tout. On a un stage à passer, pour trouver un stage dans une entreprise, il faut on l'avait sur le toit ça. Il faut proposer deux trois choses, du coup faut travailler ces deux trois choses à proposer, enfin travailler son discours, et du coup, bah, je suis en train de travailler là-dessus, et forcément, les vidéos, ça se ressent sur les vidéos. Et du coup, voilà, je tenais à vous le signaler, c'est donc pour ça qu'il y a un peu plus difficilement des vidéos le week-end, parce que c'est un peu le seul moment où je peux vraiment bosser là-dessus. On va écouter Nico. Hello, I'm busy. I said hello. Ow! Ouh! What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Tu vas t'en prendre une, mec. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy. Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Allez! Fuck me! You'll be alright, huh? That's some Red Army shit, serious! You gotta show me that one! I'm all about power! Come on, touch my bench, man! No, thank you. Rock hard! I bench 450, I'm a. Yeah. Oh, shit, no shit, what are you doing here, man? Il me stresse! Oh, il me stresse! You need some money real bad. Shit, my bad? Yeah, of course! Love that guy! Love him! I mean. I am no chubby chaser, but if I was and a queer, that guy would be in trouble, you know what I'll I mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, all right? Brucey likes pussy. C'était magnifique. Bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked. With, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. All right, Brucey, I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Whew. Il est quand même flippant, hein. I see love pussy, pussy, je ne sais pas. J'ai un doute. Bon, on trouve une voiture de flic, donc il doit y en avoir une qui va débouler dans pas bien longtemps. N'est-ce pas? Non? Que dalle. Je dois la trouver moi-même. Arrête-toi. Oh, putain, arrête-toi, mais avant de me rentrer dans les genoux, espèce de taré, là. Bon, laisse-moi ta voiture, là. C'est une espèce de tas de ferraille pourri, là. Allez, on va trouver une voiture de police. Dans les plus grands des calmes. C'est parti.
On n'est pas loin du garage de notre ami Roman ici, n'est-ce pas? Il n'est pas juste à gauche là? Mais si, regardez ça, c'est notre cousin qui est là. Coucou cousin, coucou cousin, coucou coucou. Bref, allons trouver cette voiture de police. Désolé. Splintacle. Où est-ce qu'on peut trouver une voiture de police? Ah, je sais comment on peut. Regardez, on va faire comme ça. Ça va être facile. Ah, ouah, ah, j'entends. Oh, j'entends le bruit. Le bruit de la voiture de police. Où est-elle? Où est... Ah oui, effectivement. Effectivement, regardez. Regardez comment on va faire. J'avais complètement oublié cette technique. Allez. Hello, you're through to the... Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? Hove Beach. An LCPD Hove Beach. Will be there as soon as possible, sir. Yeah. Alors, on va descendre de la nôtre. Et on va récupérer leur voiture de police. À Hove Beach. Beaches. Hove Beaches. Où est la voiture de police? Je vais l'appeler avec mon arme, moi. Regarde, comme ça. Police! Police! C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as à venir me taper? Je suis armé, pélo. Ah, merde. Merde, non, ça, c'est pas la... Oui, ça, c'est la police. Oh! Flure! On va rentrer par là. On va faire le tour. Pardon. Excusez-moi. Non, je veux. Voilà. Et tu es mort aussi. Et on va prendre la petite voiture. Et on va vite partir. On a 3 étoiles, d'accord. C'est la première fois qu'on a autant d'étoiles, ça va être galère. Ça va être galère, mais on va y... Ouh, j'entends un hélicoptère. Bon, on va accélérer, hein. De toute façon, on est dans la merde. Ah ouais, non, la zone de recherche, elle est un peu badass, là. Ça va être tendu. On va essayer, on va essayer. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas discret avec une voiture de flic. Dégage, laisse-moi passer. Je suis dans le caca, là. Je suis dans le caca. Je ne sais pas trop comment on va réussir à se sortir de là. C'est vraiment la merde, là. Là, c'est vraiment la merde. Ah, si, si, je vous assure. On va passer par là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on a plus de vie par contre. C'était chaud, hein. On s'est fait peur. Merde. Ah, on est pas loin de chez Faustine et tout le bordel. L'île Rivas. Là? Non? Comment on fait? On va taper juste l'île. Enfin, l'île. Comme l'île Wayne, l'île. Et non pas le nom de la ville. Allez, tu vas bien trouver un? Je l'ai vu passer, là! Ah, nickel. Trouvé. Putain, c'était si facile. Si les flics avaient la position de tous les malfaiteurs, on serait un peu plus tranquille. Allez, on est parti. On est parti. En direction de l'île Rivers. C'est à droite. Au passage, j'essaye de trouver un vendeur de hot dog sur la route parce que là, c'est pas que j'ai plus de vie, mais un peu quand même. La vie se fait un petit peu absente. Elle monte pas trop le bout de son nez en ce moment, hein. Je ne sais pas où est la vie. La vie, où es-tu? Où es-tu, la vie? La vie de qui? La vie de moi? Eh oui, ma vie. C'est ma vie. Le cybercafé, ils ont que des ordi, ils n'ont même pas de café. C'est un cybercafé. C'est une arnaque, ce cybercafé. D'accord, on y va sans vie.
On est dans le mal, on est dans le mal. Surtout que je me suis trompé de route. Attendez, on va faire le tour. On va faire le tour. Voilà, toi je t'arrose un peu parce que tu m'avais l'air d'être sale. Swish pizza, mais on peut pas rentrer là-dedans. Attendez. Non, on peut pas rentrer. Bon, tant pis, on va y aller sans vie. C'est pas grave. Où est l'entrée de son appart? Comment on rentre là-dedans? Par là? A priori. Ouais, si, c'est ça. Bonjour. Là, j'ai peur parce qu'on a plus de vie et c'est chaud. I got the message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. D'accord. Bon. Au calme, le mec n'a pas de fenêtre, du coup, il saute par la fenêtre quoi. Oui, voilà, quand même. Passe la porte, c'est un début. Attends-moi, Pélo. Attends-moi. Putain, il court vite, oh. Il court vite ou une voiture? Il est où ce fou? On va prendre la voiture de flic, hein. Je sais même pas par où il est passé ce taré, par là-bas je pense. Allez go. On va éliminer ce bonhomme. Hey, I just met you. And I want to kill you. Il est où? Mais comment il est déjà allé là-bas? Par contre, j'ai pas la bonne route là. On va essayer d'aller tout droit puis à droite. Non. À droite ici. Ah, il est parti. C'est chaud quand même. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Ah, je suis désolé, c'est pas facile. Search and delete. Et on a toujours pas d'outils. Super. On a toujours nos armes. Oh, toujours nos armes, ça c'est cool. On va appeler la police, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allô? Hello, you're through to the Liberty City Emergency Service. Liberty City Emergency Service. Please use your touchtone keypad to select which specific service. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? Yep. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Ah, ils sont rapides dans ce pays. Coucou. Par contre, descend de la voiture. LCPD, who called us? Will you come the hell back? You're about to be statistic. Down. Allez, monte vite. Et on s'en va. Fais baisser ton indice de recherche, on va essayer, je promets rien en fait. Ah putain, il n'y a pas de sortie par là, et forcément, c'est un peu la galère. Pardon. Ouais, il y a une sortie par là. Cet endroit me dit quelque chose, mais oh, pardon, j'ai décidé de passer. Et je ne sais pas comment sortir d'ici. Je sais pas où je vais là. Alors là, je sais pas du tout où je vais. Ouais, d'accord. Ah, c'est dur. Avance. À gauche peut-être. Ah, ça ressemble à une route. Nickel. C'est bon. Ouh. Pardon. Et je m'en vais. Pardon. Excusez-moi. Ah, je suis désolé. Je ne voulais. Le capot, il va se fermer. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il était pas content. Allez, on va partir. Très loin. Dans le lointain. Et dans les rues obscures de Liberty City. Mais on a un hélico au cul en même temps. C'est chaud d'éviter les hélicoptères. Ah, si. L'hélicoptère, il voit de haut, il voit de loin. Tout ça. Allez, accélère, mon ami. Je vois des gyrophares là-bas.
J'ai envie de tourner à droite là. Ah mais c'est bon, on va croiser des flics, ça va être mort. C'est centré sur nous ou pas? Ouais, c'est complètement centré sur nous. Oh putain, fuck. Allez, trompez-vous de route. Ah merde, oula. Oula, t'as pris feu mec. Oh, je vais accélérer sinon je suis dans la merde. Il a pris feu lui, il a pris... Putain, il a pris feu mais il a pris feu les mecs, barrez-vous. Non. Il a pris feu s'il vous plaît. Laissez-moi passer, je vais pouvoir exploser. Ça va faire boum tout à l'heure. Oh là 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 là. Non mais moi aussi, regardez, voilà, je suis avec vous. D'accord. Par là. Non, pas par là. Comme ça. Ici. Tour. Oh là là. Quelle galère. Quelle galère. On a toujours pas de vie en plus. Et le gars qu'on recherche s'est enfui en 2 secondes tout à l'heure. Je sais pas par où il est passé, mais il avait une voiture, c'est pas possible. Alors là, on est un peu plus tranquille. C'est par là, hein. On va tourner à droite. Allez, l'indice de recherche disparaît, s'il te plaît. C'est bon. On est tranquille. Ah, mais on connaît ça, on l'a déjà lu. Mais je sais que tu me kiffes, mec. Je sais tout ça. D'accord, on peut pas manger ici. I'll track down this Revis. Cold, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Alors, accède à l'ordinateur de police. Je suis désolé, la voiture est arrêtée. Hein. Elle brûle pas. Non, ça va. Voilà. Recherché par nom. Lyle. Voilà. Entrée. Ah, tu le connais, tu l'as trouvé tout à l'heure. Nickel. Trouvé, retour, et on est parti. Petit demi-tour. Et c'est parti. On va essayer de garer la voiture pas trop loin de sa fuite. J'ai raté la sortie. Laissez-moi passer. C'est ici sur la droite. Ici sur la gauche. Non mais t'as rien à craindre mec, je fais le tour de ta voiture et je ne la touche pas. Et ouais, et ça s'appelle le talent. Et oui, où je reconnais la pizzeria, on n'est pas loin. C'est juste ici, là-bas. C'est là je crois, non? Putain, j'ai encore perdu. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Go. Bon, on connaît la cinématique. Et on doit le poursuivre. Alors du coup, on prend la voiture direct. Elle est là. Hop. D'accord, il fuit en voiture. C'est pour ça que j'ai galéré à le suivre à pied tout à l'heure. On comprend mieux. On comprend beaucoup mieux. Il est là-bas. Forcément que j'ai eu du mal à le poursuivre. Il est où? Il est là. Putain, il roule comme un connard. Attends-moi, mec. Oh. Le gars, il accélère comme un taré, quoi. C'est pas possible, ça. Oh, mec. Attends-moi. Il m'envoie des voitures dans le nez, en plus. C'est fou, là. Pélo, roule moins vite. Là, je t'arrête pour excès de vitesse. Hein. Moi, Brucey, je sais pas ce qu'il veut, mais... Mais là, tu roules à plus de 70 miles à l'heure. Mec. Mec, tu vas te calmer. Ou alors, au moins, tu t'arrêtes au péage. Au moins, tu... Il n'y a pas de péage. Mec, arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi, je ratais la mission. Mec. Attends-moi. Putain, je le rattrape.
le rattrape, mais faut pas accélérer comme un... On s'en fout, allez! Qu'est-ce que tu fais avec ce camion? Qu'est-ce que tu fais avec ce camion? On se croit dans Speed Zone? Non, il va revenir dessus, c'est bon. Mec, tu vas te calmer, hein. Putain, il en a rien à cirer. Mec, je t'ai crevé des pneus, normalement, là. Aucun respect, quoi. Aucun respect pour les policiers qui ne sont pas des policiers. Oh mec, c'est une voiture que j'ai volée, hein. Moi, si je me fais pécho, j'ai pire que toi, gars. Arrête-toi, arrête-toi, pélo. On va se mettre d'accord, là. Celui qui était le premier à gagner, puis voilà. Le mec, il fait le fou. Oh, 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 c'est... Putain, il en profite quand je freine pour accélérer. Arrête-toi. Ouah. Quelle enflure. Mais quelle enflure. Il va refaire le trajet dans l'autre sens. Je crois pas. Oh merde. C'est bon, moi je paye pas le péage quand je fais ça. Enfin, je paye pas le péage. J'ai pas de problème avec avec les comment on appelle les mecs qui bossent dans les péages? Les paysagistes? Non, c'est pas ça. Oh putain, les gourdins. Oh putain. Alors là, je te rafale dessus, mec. Comme jamais, ma voiture n'est pas encore tout à fait morte. Non, c'est moi, elle brûle pas encore. Non! Non! Elle roule plus! J'ai besoin de ta voiture. Oh, je vais crever. Je vais crever. Non, c'est bon, je crève pas. Oh, mais merde, mais les mecs, j'essaye d'arrêter quelqu'un, là. Vous m'aidez pas, putain. On est collègues, là, pendant 5 minutes. Alors, arrêtez de me tirer dessus. Il va passer par là, je crois. Il est où? Il est au-dessus? Je crois pas où il est. J'ai plus de vie, en plus. Non, s'il vous plaît, les mecs, faut pas me tirer dessus, là. Là, je suis sur une affaire, les gars. Vous faites pas votre boulot, en même temps, Il est dans vos archives, vous pouvez le retrouver en 3 secondes. Et vous faites pas votre taf, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon, j'ai remis la main sur lui. En même temps, il est un peu con, le mec, il tourne en boucle. Non, non, stop de que dalle, stop de vehicle. Mais mec, je fais ton boulot. Alors, je veux bien que tu sois jaloux parce que je fais ton boulot. Mais le mec, là, vous voyez la voiture avec la petite flèche rouge, là? C'est pas un Sims, hein. Parce qu'il a une flèche que c'est un Sims, on est d'accord. Faut l'arrêter. Ce mec est un danger public. Un peu comme moi, mais en plus dangereux. Enfin, c'est-à-dire que vous, ils emmerdent et moi, ils m'emmerdent aussi. Donc voilà, à un moment, faut se mettre d'accord. Voilà, on est amis, on est copains, tout ce que vous voulez. Il roule plus vite que moi parce qu'une voiture de flic, ça va vite, mais un taxi, c'est un peu de la merde. Arrête-toi, Pélo. Oh putain, il est où? Quel enfoiré. J'arrive pas à l'avoir, quoi. Sur le Boeing qui nous passe au-dessus, là, je l'aurais arrêté depuis longtemps. Je me roulais sur sa voiture et puis c'était bon. Mec, arrête-toi, s'il te plaît. À cause de toi, je suis recherché. Je vais crever, mec. Ça fait 8 ans, là, que je te cours après. Je veux un lance-roquette. Qu'est-ce qui tourne, là? Il va où? This is the LCPD. Nous sommes comme Brucey, nous sommes des PD, LCPD. Bon, cette blague, personne ne l'a faite. Si, bon, tant pis. Mec, alors là, tu vas t'arrêter, mec. Alors, je t'ai crevé un pneu, là. Oh oui. Il se barre à pied où? Il est là. Non, non, les flics. Non, non, les flics. Je veux valider la mission avant. Il est mort. Il est mort. Oui. Et maintenant, on se barre. Ouf, maintenant on se barre vite. Maintenant on dégage. Maintenant on se casse. On s'en fout, on se casse. You should not worry about Revis anymore. Wait though, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fuck with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money you're paying. You're all about the cabin. I mean. Bon, c'est nickel, on va rentrer à la maison, on va aller se coucher. J'espère que cette
que cet épisode vous a plu, on va rentrer ensemble. On en est loin, on est parti vachement loin. La maison, elle est là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Malheureusement, on n'ira pas voir notre ami Dimitri. Puisqu'il se fait tard. Attendez, on est à combien de temps d'épisode là que je regarde vite fait? On est à 25 minutes à cause de l'autre taré. Bref. Épisode de taille normale, mais on aura fait qu'une seule mission malheureusement. À cause de l'autre fou là. Moi aussi je sais klaxonner, bâtard. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de GTA et pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de prendre des vidéos d'avance pour enfin vous en proposer pendant le week-end. Puisque ce n'est pas arrivé ce week-end et ce lundi, il n'y a pas de vidéo. Et je m'en excuse très fortement. D'ailleurs, j'ai des vidéos de retard sur DM8 Plus et DM8 Prod. Beaucoup de vidéos de retard. Mais qui vont arriver bientôt. Je ne sais plus qu'à les monter. C'est tout tourné, etc. Donc c'est très bête de ne pas les poster. On se retrouve du coup, voilà, comme je l'ai dit. Et bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.